Nous allons débuter cet après-midi par une première table ronde qui va réunir des intervenants de qualité. Nous allons commencer par une intervention de Madame Valérie Ayer, vous êtes historienne, vous êtes chercheure associée à l'Institut des hautes études sur la justice et sous le titre Rituel de la justice, vous allez nous donner un aspect historique de la question. Ensuite va intervenir Étienne Madrange. Alors, mon cher confrère, vous avez été dans une autre vie magistrat et vous avez hanté les couloirs du vieux palais de justice avec un appareil photo pendant des années et vous avez fait un gros travail sur ce vieux palais que nous aimons bien. Et aujourd'hui, vous êtes avocat au barreau de Versailles et vous allez intervenir sur là aussi sous le titre des rituels de la justice et peut-être sous l'aspect architectural. Et puisqu'il s'agit d'architecture et de colonnades, et avec maintenant des baies vitrées, on a deux techniciens qui vont intervenir. Marc Serriès, qui est ingénieur, vous êtes le gérant du bureau d'études du bâtiment Albert & Co. Une de vos œuvres se trouve autour du Panthéon, avec ces fameux bancs et ces pierres qui marquent maintenant la place du Panthéon. Et puis interviendra aussi Monsieur Florent Sauzedet. Vous êtes cofondateur de l'agence Kantara. Vous intervenez comme programmiste architectural urbain et sociologue. En gros, vous intervenez dans des agencements de programmation, essentiellement, si j'ai bien compris, dans le domaine plutôt culturel, et vous apporterez là aussi des aspects techniques. J'ai envie de vous dire, le Conseil national des barreaux s'est préoccupé de l'architecture des palais de justice depuis fort longtemps. Il y a une vingtaine d'années, sous la présidence de Michel Bénichoux, nous avions, avec David Lévy, qui se trouve d'ailleurs ici, nous avions lancé un grand programme de questions à nos confrères pour voir comment ils percevaient le fonctionnement de nos palais de justice. La place du palais de justice au milieu de la ville, de plus en plus, on les extériorise. La conception de ces palais de justice, où la profession d'avocat n'est pas souvent consultée en amont. La difficulté pour ceux qui veulent pénétrer dans les palais de justice aujourd'hui avec les problèmes de sécurité. Ben, tous ces problèmes avaient été abordés à l'époque et on a un rapport quelque part dans cette maison qui rappelle ce qu'a été le travail de recherche de l'époque. On sait que le palais de justice est quand même déterminant de notre vie aux uns et aux autres. On voit certains palais, je pense à celui d'Évreux qui est dans une situation catastrophique et il faut rendre hommage aux magistrats et greffiers qui travaillent dans ce palais de justice qui est en grande difficulté. Le tribunal judiciaire de Lyon, on évoquait les colonnades, on passe devant sans savoir que c'est un palais de justice. À l'inverse, vous avez cette merveilleuse cour d'appel avec ses colonnades et ses salles historiques qui représentent ce qu'est l'autorité de la justice. Alors, le rituel, c'est ça. Ce sont des colonnades, ce sont aussi des salles des pas perdus, ce sont des couloirs, des galeries. Vous allez peut-être nous parler de l'histoire finalement de ces palais de justice. Pourquoi on juge finalement dans un palais? Merci beaucoup. Pour ceux qui sont en ligne, donc je vais projeter des images. Donc, il faudrait qu'on mette l'écran. Voilà. Merci. Et juste, je précise que je suis chercheuse au Centre de droit pénal de l'Université de Warwick et que je suis aussi en résidence actuellement à l'IERDJ, donc l'IHEJ, nouvelle IERDJ. J'attends juste. Je commence. Alors, Antoine Garapon propose dès 1997 de ne pas considérer les symboles et la symbolique judiciaire comme un simple donné anthropologique, mais comme un dispositif structurant. Tout comme autrefois les dieux romains et les rituels sacrés accompagnaient la justice à Rome, Justinien, dans une constitution impériale, ordonne explicitement d'apporter la Sainte Bible au forum afin d'entendre les parties et de trancher les affaires, je cite du latin, en présence de Dieu. Donc, on statue en entendant les parties et selon un rituel très codifié. Mais ce rituel, voilà, merci. Ce rituel correspond aussi à une mise en valeur d'objets symboliques. Donc, jusqu'au Moyen-Âge, hein, Robert Jacob l'a très bien montré, le juge a devant lui les reliques et derrière lui le jugement dernier.
Alors, c'est extrêmement important. Voilà, certains événements que j'ai organisés, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, bien sûr, disons, la tendance est à l'aniconisme, hein, l'idée que les images n'auraient plus leur place dans le palais. Alors, je vais reprendre certains des éléments de la bibliographie sur le tribunal des Batignolles, donc notamment un ouvrage de Laurent de Sutard, Post-Tribunal. Et ici, un premier point, le compte-rendu dans Droit et Société par Michel Tropper. Je cite, « Il n'est évidemment pas déraisonnable de vouloir faire une critique postmoderne et une post-critique d'une pensée architecturale qui est le contraire du postmodernisme. Encore faut-il le faire raisonnablement, sans se laisser remporter par la tentation des interprétations et des surinterprétations. » Donc évidemment, le principal problème, c'est au fond, qu'est-ce que c'est qu'interpréter une architecture ? Un architecte n'est pas censé interpréter lui-même, ou il peut avoir son avis sur un idéal de la justice, mais dans le débat qui alimente les surinterprétations et les interprétations, on oublie souvent, on part souvent d'un article du Monde de 2012, qui est extrêmement commenté sur l'idée de kiwitas, qu'est-ce que c'est la kiwitas pour Enzo Piano, mais on oublie qu'en 2012, le palais n'a pas été encore construit, et donc il ne faut pas extrapoler des citations. Donc moi, ce que je vais essayer de vous faire, je vais essayer de vous rendre sensible à la symbolique judiciaire en vous montrant quelques-unes des difficultés qui sont les miennes quand j'essaie de penser, puisque souvent c'est un impensé. Donc la première chose, c'est la variabilité des points de vue. Donc le point de vue pratique, hein, on va entendre un programmiste, un ingénieur, hein, au fond, ce sont des lieux, il faut aussi que le magistrat ait une forme de bien-être, hein, être plongé dans une lumière zénitale rouge pendant 8 heures, je pense au tribunal de Nantes, bien sûr, et à Jean Nouvel, c'est quand même pas évident, hein, puisqu'on sait bien que pour exciter les taureaux, on les met dans la lumière rouge. Donc, évidemment, c'est une boutade. Hein. Donc, variabilité des points de vue, on peut avoir un agenda tout à fait pratique, on peut avoir une considération principalement esthétique, c'est-à-dire que moi, je connais beaucoup de bâtonniers, notamment celui de Bruxelles, qui est également un amateur d'œuvres d'art, qui a des œuvres d'art contemporain dans son bureau. Tout le monde n'est pas nécessairement attiré par l'œuvre d'art du point de vue esthétique. Sociologique, bien sûr, Laurence Dumoulin, ou philosophique, Laurent de Sutter, c'est évidemment une approche philosophique. De nombreuses interprétations s'en tiennent aux propos de l'architecte et également à l'idée que l'architecture doit être parlante. Alors ça, c'est une idée tout à fait 19e. L'architecture parlante et le style Beaux-Arts du 19e, qui marchait très bien au 19e siècle, est-ce que ça marche aujourd'hui? Est-ce que ça parle justement aux justiciables? Voilà une des questions qu'on peut aborder. Et autre problème, le discours qui accompagne le bâtiment est parfois une justification a posteriori. Inventer la symbolique autour du parti pris écologique, ça peut poser problème. La symbolique de l'arbre, elle est très bien ancrée en Europe, mais inventer un discours autour de l'arbre et de l'écologie a posteriori, peut-être que ce n'est pas forcément la chose la plus habile. Plus radicalement, que vaut une histoire de la symbolique qui ne s'appuierait que sur des textes? Donc là, je rappelle que, bien sûr, avant que le droit soit l'empire des codes, de l'écrit et des textes, c'était une performance, un serment, c'est une cérémonie visuelle. Donc, ça appartient aussi au champ de la vision. Donc, ne voir que des textes, oublier les gestes, oublier la rhétorique. La rhétorique, c'était, bien sûr, à partir d'Aristote, c'est l'art de la parole. Et donc, c'est très important de revenir à cet art de la parole et ne pas dire, comme j'ai vu parfois, la symbolique, oh, c'est que de la rhétorique, avec une définition, disons, péjorative. Donc, Renzo Piano prétendait faire un tribunal qui soit en même temps un hôpital. Ça, c'est ce que dit Laurent Sutter, c'est pas certain, mais disons, un lieu de soins, c'est le paradigme du care, hein, deux notions qui sont incompatibles selon Laurent Sutter. L'idée qu'on va transformer le palais de justice dans l'hospitalité, le paradigme de l'hôpital, hein, le lieu du care, tout va bien se passer, ça pose un certain nombre de problèmes, puisqu'évidemment, on a quand même le pouvoir de casser des vies. Hein, c'est peut-être pas non plus une chose à articuler de manière facile. Par quel procédé un bâtiment peut refléter des valeurs démocratiques ou être lui-même un lieu de kiwitas, une autre question. Et enfin, le risque, bien sûr, il a déjà été évoqué, que la forme n'indique en rien qu'il s'agit d'un palais de justice. Donc voilà, j'ai pris, monsieur le directeur en a parlé, hein, un exemple très célèbre, donc
c'est le bâtiment construit par Miss Van der Rohe, hein, qui préfigure l'aniconisme contemporain. Donc, à gauche, vous avez la Chicago Federal Court de 1961, hein, et puis ce qui, a, maintenant, ce qui est le paradigme du bâtiment fonctionnel et transparent. Donc, le cadre symbolique des lieux de justice. Alors, le cadre symbolique, et c'est pas moi, je pense qu'on peut reprendre bien sûr le Bien jugé d'Antoine Garapon, hein, qui est un livre, à mon avis, essentiel, et nécessaire, et on ne peut pas prendre ça comme un acquis, un donné. Ça, évidemment, le cadre lui-même, le symbole, a un effet sur le justiciable, sur les juges et sur tous les intervenants. Donc, c'est un problème, aujourd'hui, on l'a évoqué à midi, pour la question des audiences en ligne. Alors, c'est une chose assez amusante qu'on étudie en Angleterre. Donc, quand le juge est en pyjama, c'est quand même un peu gênant. Quand le justiciable a un tatouage qui est, disons, obscène. Donc, voilà, comment on réinvente, comment on prévient que, voilà, il va apparaître avec une image qui va peut-être induire un préjugé, etc. Donc, on a réfléchi là-dessus. Le déclin de l'allégorie, est-ce qu'un lieu de justice doit être peuplé d'images? Est-ce qu'il doit être peuplé d'allégories? Rien n'est moins sûr. On pourra revenir là-dessus. La création contemporaine est très, très vive. Je suis depuis longtemps, pardon, Carrie Young, qui a présenté son travail à Oxford récemment. Voici Lady Justice Wendy Joseph, qui est donc filmée en caméra fixe, c'est le protocole d'Andy Warhol, hein, de manière, comment dire, assez longue et assez, avec une caméra 3K. Elle est donc assise, le protocole est très intéressant, et elle va faire une performance muette. Et l'exposition vous montre ce qu'on a commencé à discuter, ce que c'est que l'aura, l'image au sens de Walter Benjamin, hein, l'aura, le charisme d'un juge et de son costume judiciaire. Ça, c'est une vidéo qu'elle a fait Palais de Justice au Palais Poulart à Bruxelles, on pourra revenir sur ce travail. La cohérence du décor judiciaire à l'âge moderne. Alors, je vais parler de la double délégation principalement, peut-être des images de justice, et je finirai par la calomnie d'appel si j'ai le temps. Donc, voilà un tableau extrêmement intéressant qui présente ce que c'était. Donc là, on est en 1476, au musée. C'est un tableau conservé à Graz, en Autriche. Il présente finalement le paradigme qui était celui d'un juge au XVe siècle. Donc ici, vous voyez le juge Niklas Strobel, il est le commanditaire du tableau, et voici son nom ici. Il siège dans le schramm, donc l'enclos, si vous voulez, le parquet. Et alors, ce qui est fabuleux, c'est qu'on a ici, dans le même panneau qui était destiné à orner une cour de justice, le jugement dernier au-dessus. Le juge, c'est un portrait ici, s'est fait représenter dans une robe écarlate qui rappelle bien sûr la robe du Christ au jugement dernier. Et ici, vous voyez l'enfer. Donc, ce que veut dire… Et puis, quelqu'un qui prête serment ici avec le usher, celui qui fait pénétrer dans la cour. Ce qui est très intéressant, c'est que cette image, elle est proprement déontologique, c'est-à-dire qu'elle était située derrière le juge. Donc, le juge était également avec sa robe devant. Et elle rappelle au justiciable d'une image seule que s'il en vient à faillir, si ce juge en vient à faillir, il sera lui-même, au jour du jugement dernier, précipité dans les enfers. Donc vous voyez pourquoi je parle de peinture déontologique. C'est bien plus qu'une image, ce n'est pas un décor, ce n'est pas pour faire joli, c'est pour rappeler que la faillibilité du juge, elle est au centre même, la vulnérabilité du juge, cette image d'un juge qui peut être précipité aux enfers, doit gouverner son mode d'agir. Cette symbolique, évidemment, elle est extrêmement cohérente dans un monde avec Dieu. Dans un monde sans Dieu, évidemment, c'est moins facile. Voilà la tradition maintenant des Gerechtigkeit Bilder, donc les images de justice. Donc là, on a une tapisserie. Si vous voulez, ces images étaient très chargées. On avait donc la clémence de Trajan, enfin, les dix magos justitiae, hein, ces images qui rappelaient au juge ses devoirs. Donc, il doit être clément dans son jugement, sinon également il finira en enfer, il doit être prudent. Bien sûr, un des thèmes que j'ai analysé particulièrement, la calomnie d'appel. Donc la calomnie d'appel, c'est
est vraiment très intéressant parce que là, on est, c'est un thème qui est diffusé principalement par les humanistes, d'abord florentins, puis après il va se développer partout, hein, au Rathaus à Nuremberg, mais aussi j'ai une calomnie à aller voir en Suède, à Örebro. Donc c'est un thème véritablement européen. Ce qui est très intéressant avec la calomnie d'Appel, c'est que Appel, peintre diffamé, va se défendre d'une calomnie dont il a été l'objet en peignant les mécanismes de la calomnie. Donc vous avez ici une autre calomnie d'Appel, mais ici vous avez donc le juge ou le prince avec des oreilles d'âne, ces deux inspiratrices, tricherie et fourberie, qui le conseillent. Calomnie qui tire la tête, les cheveux de l'innocent, Insontos. Alors là, on a mis les noms en rouge, c'est un manuscrit. Et invariablement, c'est un thème qui apparaît dans les miroirs du prince. Donc il faut éduquer le prince à être juste, mais également, il faut éduquer le juge à n'être pas, disons, impartial. Et alors, ce qui est intéressant avec la calomnie d'Appel, c'est qu'on la retrouve à Bâle. Ici, on est au Rathaus, hein, à cette époque, donc on est au XVIe siècle, on juge dans les hôtels de ville. Ce n'est pas fermé, hein, on peut accéder à ce décor. La calomnie d'Appel, elle est dans, ici, à la tribune. Voici un plan en axonométrie de ce palais de justice. Et voilà, pardon, voilà la fresque murale. Vous retrouvez, vous voyez, la stampe que je vous ai présentée a été transposée. Et ce qui est intéressant, bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire, mais surtout, on a rajouté, ici c'est Appel, qui d'un doigt montre Mercure, ici, et la vérité. Et donc, on a une scène un peu moins gênante, c'est-à-dire qu'on ne va pas centrer sur le calomniateur et la calomnie, mais on va montrer la victoire de la vérité et de l'éloquence, le triomphe de l'éloquence, et ici, encadré par Minerve, et ici, le châtiment. Ce qui est très intéressant, bien sûr, c'est la rhétorique du geste. Et un magistrat particulièrement frappé par ces questions de calomnie s'est fait représenter ici. Donc ici, vous voyez un portrait. Donc la calomnie d'Appel, si vous voulez, c'est un canevas à l'époque. Et on peut l'adapter. Hein, ça, c'est une peinture de chevalet qu'il avait mis dans son cabinet. Et là, il se défend d'une calomnie dont il a été l'objet. Donc évidemment, la calomnie d'Appel est un sujet, alors j'ai 1000 exemples, enfin pas 1000, j'en ai disons 50, très très couru des magistrats, des auditeurs, des greffiers de cour à l'époque, et c'est un thème qui va donc principalement intéresser les concepteurs des programmes d'humanisme civique. Voilà, donc pour conclure, je vais simplement... Je pense que j'ai plus beaucoup de temps. J'ai encore 2 minutes. Alors, c'est gentil. Alors, je vais. D'accord. Donc, je voudrais revenir sur ce qui nous occupe aujourd'hui, donc rituel management. Il y a plusieurs choses à dire. D'abord, vous avez vu, je vous ai montré des exemples figurés. Qu'est-ce que c'est qu'une image, disons, jusqu'au moins la Renaissance. Une image, c'est absolument pas ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire souvent une image sur un écran plat ou sur... Une image, c'est un objet fait à l'imitation d'un autre. Et là où ça devient très intéressant, c'est que l'image, dans une salle de justice, donc là, on sort du jugement de goût, hein, l'image est un ingrédient performatif. Je vous ai montré avec le cas du juge Niklas Strobel. Il est à la fois figuré devant... Il siège en robe, mais derrière, il s'est portraituré sous le jugement dernier. Qu'est-ce qui est très important pour le justiciable à l'époque, qui évidemment croit en Dieu et va à l'église? Sa culture est faite de jugement dernier, et c'est une culture chrétienne, donc tout est très cohérent. Évidemment, on ne peut pas transposer ça aujourd'hui, mais il y a une grande cohérence, on voit ces images, et elles ne sont pas seulement didactiques, sont des images qui peuplent l'environnement de l'époque. Il faut rappeler aussi que, et ça c'est Hans Belting qui l'a montré, une image, elle est très rarement vue. Aujourd'hui, on est saturé par des images sur des écrans, on en voit énormément aujourd'hui. À l'époque, j'ai travaillé sur les tablettes qui accompagnaient les échafauds, condamnés à l'échafaud, pardon. Et alors, c'était des tavolettes, et donc des petites tablettes qu'on accompagnait, et on leur demandait, donc c'était des crucifixions, en général assez mal peintes d'ailleurs, et on leur demandait, juste avant qu'on leur coupe la tête, de baiser les pieds du Christ, pour qu'ils rachètent leur salut. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une image, à l'époque, elle est rare,
quand on la montre, il y a un dispositif, on la manipule, et l'image, bien sûr, est bien plus qu'un objet esthétique. Elle fait partie d'un rituel. Donc voilà, la question que je vous pose, pour finir, c'est évidemment se débarrasser complètement de l'image, de la symbolique, du rituel judiciaire, dans une société en proie à une forme d'aniconisme, ça a un prix. Alors, je n'ai pas de jugement, évidemment, moi, j'aime l'art abstrait, j'aime beaucoup les panneaux John Motley Courthouse, hein, mais qu'est-ce que ça veut dire d'évacuer la figure, la personnification? Ça peut être une sitia, ça peut être le corps du juge. Qu'est-ce que ça veut dire d'évacuer le corps? Le corps. Et je finirai simplement là-dessus, une citation de Pierre Legendre, hein, qu'il aimait beaucoup à gloser. L'empereur a toutes les lois dans sa poitrine. Alors, on peut évidemment reprendre ce que Kantorowicz aussi a dit, hein, la justitia, elle est médiatrix, c'est-à-dire qu'elle est cette personne fictive qui fait le lien entre justice terrestre et justice céleste. Cette idée qu'il y a un principe qui dépasse l'idéal de justice et donc il faut que ce soit figuré quelque part. Voilà, je pense que j'en ai assez dit et je vous remercie beaucoup de votre attention. Oui, vous avez cité Antoine Garapon, il y a une vingtaine d'années, il avait, quelques années après l'ouverture du palais de Nantes, que vous avez évoqué, il avait réuni à son émission du samedi matin Jean-Marc Varro et Jean Novel. Et ils avaient, pendant une heure, vous devez pouvoir retrouver ça sur les podcasts de France Culture. Et pendant une heure, ils avaient évoqué ce nouveau palais de justice qui faisait tant parler avec l'histoire des créations de palais. Monsieur Badrange, à vous la parole. Merci, mon cher confrère. Merci au président Gavaudan et au CNB d'organiser ce colloque dont on a bien besoin parce que enfin, on se préoccupe un peu d'architecture judiciaire. Et vous m'avez invité parce que vous saviez que j'avais visité tous les palais de France et toutes les juridictions. J'en ai visité 1200 et la totalité des prisons. Et puis pas que, puisque je suis allé de Los Angeles à Pékin, de Lima au Pérou à Tananarive et de Wallis et Futuna à Cayenne. Donc j'ai eu l'occasion effectivement de découvrir des architectures très différentes, ici ou là, des copier-coller. Hein. Le palais de justice de Lima n'est autre que celui de Bruxelles qui est recopié par exemple. Parfois des symboliques fortes ou des symboliques sous-jacentes comme à Pékin. Mais à Pékin, on découvre aussi des salles de télévision où on suit en direct les délibérés des juges des tribunaux chinois. Donc, et on m'a autorisé d'ailleurs à filmer cette salle où les hauts magistrats font filmer les délibérés des magistrats des tribunaux. On voit des choses assez extraordinaires quand on parcourt la planète. Alors la France, elle a une véritable civilisation judiciaire. Et ça, on l'oublie trop souvent, et je crois qu'on l'oublie. Certains gardes des Sceaux récents, parfois le rappelaient, la France a une véritable civilisation judiciaire. Jusqu'à la Révolution, la justice était quelque chose de solennel. On construisait des présidiaux, des bailliages, des prévôtés, des auditoires. Il reste quelques parlements, bien évidemment, que vous connaissez, à Douai, à Besançon, à Rennes ou ailleurs. Il reste des très beaux auditoires, je pense à la Sarthe, qui en a, le département de la Sarthe, qui en a un certain nombre. Bref, on savait faire un lieu pour le juge qui était un lieu solennel. À la Révolution, évidemment, on change tout, on change les juridictions. Le bailli ferme le palais de justice de Paris, qu'on va bientôt rouvrir parce qu'on a besoin de salles, on a besoin de prétoires. Et puis, on va confisquer plein d'édifices religieux. Ça tombe bien, on va mettre des prisons à Fontevraud ou à Clairvaux, et puis on va mettre des palais de justice dans les palais épiscopaux, à Saverne, dans le Bas-Rhin, ou bien à Laon, dans l'Aisne, chef-lieu de l'Aisne, de l'Aisne, à Saint-Omer, à Lisieux, dans un certain nombre, à Carpentras, bien évidemment, très beau palais épiscopal avec sa salle du trône, qui est désormais la salle du délibéré des juges. Et puis, on va confisquer les abbayes, et ça va devenir des tribunaux à Dôle, à Verdun, Le Mans, Montbrison, Albi, Montargis, Valence, Bourges, Roanne, vous imaginez le nombre de lieux. Et puis parfois même, il y a 10 saintes chapelles en France, il y en a une qui est à Rion, qui est une des 10 existantes, ben c'est la cour d'appel de Rion. Et donc quand on va visiter la sainte chapelle de Rion, eh bien on va à la cour d'appel de Rion. Et ça se visite d'ailleurs sur le plan touristique. Et puis, on va prendre des hôtels Dieu, Reims, le tribunal de Reims va être dans un hôtel Dieu, ou encore, qu'est-ce que je crois, Thonon-les-Bains, par exemple. Bien. Puis, Moulins va être dans un collège de jésuites, et puis on va confisquer les châteaux. Alors, Argentan bah, devient un tribunal, Chaumont, Tarascon, Cambrai, là, vous allez au tribunal, mais vous allez au château.
Parfois, on va à la messe, puisque certains tribunaux, comme Saint-Dizier ou le Conseil des Prud'hommes de Lons, sont des églises, parfois très anciennes, du XIIe siècle. Il ne reste pas l'autel et on ne voit plus Monsieur le curé, on n'a pas gardé les confessionnaux. Enfin, néanmoins, on est dans une église totalement intacte. C'est-à-dire si le patrimoine judiciaire, finalement, est extrêmement hétéroclite, composé de palais anciens, de parlements, de lieux religieux, de prévôtés, etc., et puis de lieux modernes. Alors, on en construit pas mal au XIXe siècle, jusqu'à environ l'an 1900, donc jusqu'au XXe, et puis après, on n'en construit plus. Sauf que la guerre arrive, la Première Guerre mondiale, et là, dans le Nord, boum, tout est rasé, donc il faut construire Abbeville, Péronne, et Béthune, etc., et donc on va avoir des palais, tantôt Art Nouveau, Art Déco, un peu plus bon, que contemporains de l'époque. Puis on n'en fait plus à nouveau. Arrive la Deuxième Guerre mondiale, et là, boum, badaboum, Brest, Lorient, Saint-Dié-des-Vosges, donc tout ça est rasé, et donc on va reconstruire des palais qu'on va essayer de faire plus fonctionnels, avec quand même une symbolique, je pense à Brest, où là, la justice enfin, est représentée non pas par une femme, comme habituellement, mais par un homme, à l'entrée du tribunal, et donc on reconstruit quelques palais. Jusqu'en 1960, et là, donc, 5e République, Général de Gaulle, et là, on va commencer à faire des palais, puis des cités judiciaires, donc c'est Nouméa, c'est ensuite les cités judiciaires comme Beauvais, Senlis, etc., et Le Mans, bien évidemment, face à la cathédrale, donc tout au long de la 5e République. Et puis là, maintenant, art contemporain, depuis le palais de Lille, hein, qui est construit à partir de 1960, on détruit l'autre en 1958, donc le palais de Lille, qui est tellement moche aux yeux des Lillois que, alors qu'on a prévu de raser tout le vieux Lille, tout à coup, ça sauve le vieux Lille, stop, on arrête les dégâts, vu le palais, on va pas faire pareil dans le vieux Lille, et le palais de Lille, qui est d'ailleurs remis en cause actuellement, finalement devient le sauveur du vieux Lille, qui est conservé intact. Voilà. Alors, donc, ce qui fait que après la Révolution, on a tout cet ensemble d'édifices totalement hétéroclites. La chance qu'a la France dans cette civilisation judiciaire dont je ne cesse de parler, c'est que par la loi du 28 Frutigny d'Or en 8, donc c'est en 1799, on met en place un Conseil national des bâtiments civils. Et ce Conseil national, on ne sait plus faire ça maintenant, on ne sait plus faire. Ce Conseil national va définir des normes centrales, une homogénéité de tous les bâtiments, le palais de justice au cœur de la ville, la mairie, la préfecture, la prison, la gendarmerie. Et si on confie à des architectes départementaux le soin de faire les plans, en revanche, les normes sont les mêmes pour tout le monde. Et c'est pour ça que vous avez un palais à colonnes à Aurillac, un palais à colonnes à Mende, un palais à colonnes à Quimper, et que vous avez toujours ces mêmes palais à colonnes. On ne faisait jamais de palais à colonnes jusqu'au 18e, à part le palais Fontette à Caen, le fameux palais Fontette, qu'on n'utilise plus maintenant, qui était le seul palais à colonnes. Et puis, bien évidemment, en 1776, quand le palais de la Cité à Paris brûle, on refait un palais qui n'est pas à colonnes, mais dont les architectes se sont un peu trompés. La façade s'écroule, les inspecteurs généraux de Louis XVI arrivent et exigent qu'on mette les fameuses quatre colonnes, plus les deux renforts que vous voyez sur les côtés, pour sauver la façade du palais de Paris. Et c'est comme ça que Paris devient l'archétype des palais à quatre colonnes, donc tétrastyle, pour les hellénistes, donc ces fameux palais à colonnes qui ont la plupart du temps quatre colonnes, ou évidemment à Lyon il y en a 24, et parfois ils sont hexastyles, ils ont six colonnes, mais enfin ça devient l'archétype au long du 19e. Mais grâce à ce Conseil national des bâtiments civils, on a une architecture homogène partout. Quand on va au palais, on sait ce que c'est qu'un palais. Et puis on a des constantes, le côté basilique, pas au sens religieux, mais au sens romain, la basilique. Là, ça n'est pas perdu avec un clair-obscur, on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière les portes. L'escalier, parce qu'il faut que le justiciable s'essouffle pour aller à son juge. Donc, il monte les marches. Et puis, il n'arrive pas comme ça, trop arrogant. Là, il est un peu essoufflé, il va avoir affaire à son juge. L'accusé est toujours face à la lumière. Il est le dos à la fenêtre, l'accusé. Il est face à la lumière, je veux dire. Il est face à la fenêtre. Et les jurés, eux, ont le dos sous la fenêtre. Comme ça, on ne les voit pas. On ne voit pas s'ils ont des rictus, des sourires, ou etc. En revanche, ils peuvent voir, eux, comment réagit l'accusé. Donc, l'espace sacré entre la barre des témoins et l'estrade, et seul quelqu'un porteur d'une robe et d'un rabat, huissier d'audience par exemple, peut donner un papier au juge, mais jamais personne ne pourra aller dans cet espace sacré entre la barre des témoins et puis l'estrade, qui est un autel, A-U-T-E-L, bien évidemment, puisque la justice est religieuse tout au long du XIXe siècle. Il faut savoir qu'on rend la justice sous des Christs. Il n'y a plus qu'un pays au monde, c'est Monaco, où le catholicisme est religion d'État.
Et je crois savoir, puis pour avoir beaucoup fréquenté la Belgique, que petit à petit, on a enlevé les Christs, et même parfois le portrait du roi, et que parfois certains juges qui jugent seuls se mettent en bout de table pour ne pas être en dessous justement d'un portrait ou d'un crucifix. Donc, on garde les crucifix jusqu'à 1904. Il ne faut pas croire que c'est la loi de séparation des Églises et de l'État qui a supprimé Jésus des prétoires. Pas du tout. C'est 18 mois avant, en 1904, un garde des Sceaux, très anticuré, très anticlérical, il s'appelle Ernest Vallée, et par une circulaire du 30 mars, il ordonne à tous les procureurs généraux de descendre tous les crucifix de toutes les salles d'audience. Et c'est Pâques. Et je peux vous dire qu'à l'époque, les magistrats qui beaucoup sont catholiques le font vraiment à contre-cœur. À Pau, c'est une verrière, hein, le Jésus. Pour ceux qui sont allés à la cour d'appel de Pau, elle est éclairée que par une verrière qui est un vitrail de crucifixion. On l'enlève quand même. Les avocats à l'époque étaient quand même assez forts, Monsieur le Président, puisqu'en 1920, ils arrivent à convaincre tout le monde de remettre la verrière en place. Elle y est toujours. Mais quand arrive un garde des Sceaux, on met un rideau devant, électrique, qui descend et qui remonte, pas de problème. Et à Bordeaux, il reste encore deux grandes crucifixions, dans la chambre 2 et dans la chambre 4. Et puis à Tours, on les a remis il y a quelques années, on est allé les chercher au grenier, on a fait voter l'Assemblée Générale et on a remis Jésus dans les couloirs. Parce que, bon, bah, ainsi on a déciblé, à la demande d'un magistrat délégué à l'équipement, ainsi on a décidé l'Assemblée Générale. Donc, on a, je le disais, une homogénéité, la religion qui est présente jusqu'en 1904. 1904, la religion disparaît définitivement, on descend les crucifix, etc., etc. Donc, un palais à l'époque, ça ressemble à un palais. Désormais, un palais de justice, et je suis désolé de le dire, mais vous connaissez un peu mon point de vue, monsieur le directeur, c'est tantôt le siège de l'URSSAF, tantôt le siège de Bouygues, tantôt peut-être une annexe de préfecture. C'est un truc infâme comme à Bobigny, du verre, de l'acier, on ne sait pas très bien. Heureusement, des travaux. J'y étais à l'inauguration en 1987. Donc, je dis ce que je pense, et je pense que monsieur Le Breton de Vaneuse est de mon point de vue, puisqu'on en a encore discuté il n'y a pas longtemps, je crois il y a 15 jours tous les deux. Alors, je sais des efforts qui sont faits actuellement, et ça va être génial désormais. Enfin, quand même, pendant des années, les jurés sont allés à la cour d'assises en évitant des bassines, parce que l'eau coulait à flot dans des bassines, dans un bâtiment tout neuf. Voilà. Donc, mais je parle un peu au passé, là, hein. Je ne suis pas dans l'avenir. L'avenir, il est merveilleux parce qu'on nous l'a expliqué, mais je m'en réjouis. Donc, mais enfin, quand même, de nombreux palais ont été faits de verre, d'acier, etc., avec cette énorme, comment dirais-je, cette incroyable histoire de transparence. Mais la justice peut pas être transparente. Qu'elle le soit par Dominique Verdeillant et France 3, une fois par mois le soir, ça, c'est magnifique. Elle l'est, le public a connaissance du fonctionnement. Qu'est-ce que c'est qu'un juge, un procureur, un avocat, etc. D'accord. Mais dans un palais de justice, qu'est-ce qu'on juge? Des divorces. Des mineurs, parfois en danger, des jeunes filles qui se sont fait violer par leur père, leur oncle ou leur voisin, du terrorisme, du grand banditisme, avec parfois des c'est quand même des choses qui demandent un minimum de secret. Et pourquoi à Bordeaux, avec tous ces verrières, on a mis des papiers, du carton, les greffières qui arrivent et qui veulent pas, qui sont en jupe et qui savent qu'elles sont devant des vitres, ben, on cachait toutes ces vitres. Non, la justice dans son bâtiment ne peut pas être transparente. La justice, elle juge des affaires délicates, des affaires de famille qui demandent le secret, etc. Qu'ensuite on rende compte, qu'ensuite on ait un accès, qu'ensuite ce que fait la justice est nécessairement public quelque part, d'accord, mais un bâtiment public, on ne peut pas dire, et combien de gardes des Sceaux l'ont dit dans des discours d'inauguration, « Ah, enfin, la justice est transparente et ce bâtiment est à l'image de la justice. » Je ne jette pas la pierre sur les gardes des Sceaux depuis le chancelier d'Aguesseau en 1718, parmi les ministres de la justice ou les gardes des Sceaux, il y a eu 42 magistrats, il y a eu 18 universitaires et il y a eu 89 avocats, dont l'actuel. 89 avocats ont été… Alors, on ne va pas jeter la pierre à la profession qui a été à la tête de la chancellerie pendant des siècles et pendant des décennies, et ce, depuis d'Aguesseau en 1718. Enfin, les choses sont ainsi que beaucoup de palais contemporains ont présenté des défauts parce que, d'une part, on a oublié cette civilisation judiciaire dont je parlais, puis on a oublié une symbolique forte. Quand on allait au tribunal, à la cour, dans le temps, on avait devant nous, comme à Paris, la tempérance, la force, la justice, justicia en latin, hein, la fille de Thémis. On croit souvent que c'est Thémis. Thémis était la déesse de la loi et justicia, sa fille, était la déesse de la justice. Quand on va à la cour de cassation, on a une phrase en grec. Alors, tout le monde n'a pas fait du grec, hein, panta oro kai krino, ce qui veut dire je vois tout et je juge tout. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Dans certaines cours d'assises, alors on faisait peur. Le criminel avec un couteau plein de sang, et puis donc l'accusé est là, il doit avoir peur, surtout qu'il ait peur du jury, il ait peur du châtiment, etc. On est dans la justice qui châtie, au pénal. Au pénal. Mais bref, on avait quand même des symboliques. Au minimum, à minima, une balance.
une main de justice. À Hasbrouck, vous avez là, devant le palais de justice fermé la main de justice. À Tours, vous avez les tables de la loi. Bref, quel que soit le palais de justice, à Nice, vous avez le lion, symbole de force, de puissance. Donc, vous avez à chaque fois, dans un palais, quelque chose qui rappelle une notion importante. Le pouvoir du juge, l'impartialité du juge, la tempérance que le juge doit avoir dans ses décisions, tout cela est symbolisé. À Paris, on n'a rien fait dans le nouveau tribunal. J'étais pourtant dans la commission avec Antoine Garapon, dont on parlait, qui était là pour définir. Puis finalement, l'architecte Renzo Piano a fait sa petite balance qui s'est retrouvée, alors pas au centre pour éviter le côté christique, mais sur le côté dans chaque salle d'audience. Croyez-moi, je pense, je le dis, je serais peut-être censuré, mais il y avait mieux à faire. Parce que la justice, un jour, à force de faire des bâtiments, des cités judiciaires un peu monotones, s'est décidée à faire appel à des grandes signatures. Alors, Jean Nouvel par-ci, Renzo Piano à Paris, Rogers à Bordeaux qui avait participé au Centre Beaubourg, Architecture Studio à Caen, etc. Ah, ben c'est très bien. Mais il n'y a pas de justice, ce n'est pas le Centre Pompidou de Beaubourg. Alors, ces grandes signatures, ben évidemment qu'ils n'ont pas le temps parce qu'ils sont à Londres, à Pékin, machin, tout le temps, ils envoient un jeune de 25-26 ans qui suit le chantier. Résultat, quand on inaugure le tribunal de Narbonne, 2000 réserves. 2000 réserves au moment du procès-verbal de réception. C'est-à-dire que rien ne va. 2000 réserves. Voilà. Si le chantier avait été suivi correctement par des architectes que l'on nomme et qui viennent suivre, il n'y aurait pas ça. Donc, il y a un problème. Il y a eu un problème. Monsieur le directeur, je sais que tous les efforts que vous faites et je suis heureux de vous avoir entendu. Je sais que vous prenez le taureau par les cornes. Mais il y a eu toute une période dans les décennies précédentes où on a laissé faire, on n'a pas su faire, etc. Il y a eu le problème, alors, puis tous les problèmes adjacents dont on parlera, le box, la cage vitrée, etc. Le procureur qui d'habitude est à droite de la cour du tribunal, le côté noble, on verra cet après-midi s'il doit rester sur l'estrade ou pas. Bon, on en parlera, mais en tout cas, il est à droite. Bon, mais qu'on met à gauche, à côté du box, donc il ne peut pas parler à l'accusé, il doit l'avoir en face, etc. Et il y a des nombres de tribunaux où on n'a pas pensé à ça, parce qu'on n'anticipe pas, parce qu'on ne pense pas à tous ces détails. Construire un palais de justice, c'est se concerter. Il y a très peu de palais où il y a eu une concertation. Je cite souvent dans mes conférences Montbéliard, qui est un tribunal où les salles sont circulaires, elles sont rondes. J'ai eu l'architecte au téléphone, il m'a dit, j'ai interrogé les avocats, j'ai interrogé les usagers, j'ai interrogé l'humain, j'ai refait mon plan plusieurs fois, et j'ai fait un tribunal où tout le monde est content de juger, d'être jugé, d'assister ou d'aller. Voilà. Et donc, il y a des architectes qui, eux, ont pris soin, parfois, de modifier leur plan, évidemment de convaincre ensuite, ce n'était pas la pige à l'époque, c'était le service immobilier du ministère de la Justice, mais de convaincre les décideurs publics de la façon qu'il fallait, enfin de ce qu'il fallait faire. Et malheureusement, on ne le fait pas souvent. Donc, il faut que quand on construit un palais de justice, messieurs, au premier rang, on prenne en compte d'abord, on anticipe sur l'avenir, intelligence artificielle, etc. Je ne suis pas certain qu'actuellement, on soit béton-béton au niveau des autorités publiques sur que sera l'audience dans 50 ans. Les bases de données, etc. Ça, je ne suis pas certain. Est-ce qu'il y a encore besoin d'un prétoire? Est-ce que dans le domaine indemnitaire, on plaidera toujours? Ou bien est-ce que les bases de données donneront... On en parle beaucoup, on ne fait pas grand-chose. Donc, anticiper. La sécurité, bien évidemment, la sécurité, ça va de soi. Mais aussi le confort des gens. Pas seulement le confort des juges, qui eux sont derrière une estrade, mais le confort de ceux qui sont dans la salle et qui se tortillent pendant des heures sur un siège en fer ou un siège en bois et qui, au bout de 4, 5, 6 heures, n'en peuvent plus. Des policiers qui... Je dois terminer, c'est trop long? 3 minutes? Ah bon, d'accord. Bon, eh bien, écoutez, je crois que je vous ai dit un peu ce que je pensais. C'est plutôt un appel. Il faut savoir que presque la totalité des palais ont brûlé, celui de Paris 4 fois. On parlait d'Evreux tout à l'heure, il a brûlé en 1927. Toutes les archives du greffe ont disparu. Donc, il brûle parce qu'un attentat, parce qu'un condamné pas content, sa famille vient mettre un cocktail Molotov, etc. Donc, celui de Paris, le nouveau tribunal, il y a eu un départ de feu, une inondation déjà. Il est ouvert depuis très peu de temps. Prendre en compte la sécurité passive. La plupart des palais, tous les palais que j'ai visités prenaient l'eau sauf 5, dont celui de Dinan, qui était étanche en Bretagne. Et le procureur m'a dit c'est parce qu'il ne pleut jamais en Bretagne, quand je suis allé le voir. Donc, Il y a des problèmes d'étanchéité, mais ça peut s'anticiper. Vous allez plaider au tribunal du Mans actuellement, vous allez devant des serpillères, c'est pas normal, bon sang. Prenons le taureau par les cornes. Et puis, remettons une vraie symbolique moderne, contemporaine. Quand vous allez à Lyon au tribunal, il y a les œuvres de Gérard Garousse, qui est un artiste contemporain. Il fait le greffier, sous forme, c'est émaillé, je crois, ou en ferronnerie. C'est magnifique, on a des grands artistes. Le 1% culturel est soit un concours de laideur, soit un salon du jouet, soit un concours international
de ce qu'il ne faut pas faire. Non, mais allez partout. Voir les 1% culturels, c'est un vrai scandale, le 1% artistique des tribunaux. C'est du grand n'importe quoi. Mais, une minute. Non, mais je vous la laisse. Allez, c'est terminé. Parce que... Non, la passion m'égare, je suis désolé. J'ai parlé combien ? J'ai parlé 20 minutes. Je veux bien la zapette, s'il vous plaît, cher monsieur. Ça ? Merci. Bonjour, donc Marc Sériès, je suis gérant d'un bureau d'études du bâtiment qui s'intéresse notamment aux problématiques environnementales. Je ne vous remercie pas de me faire passer derrière un avocat parce que point de vue éloquence, moi c'est écrit, hein, je suis plutôt dans la catégorie ingénieur, on est connu pour être très ennuyeux, donc je vais essayer de faire un peu mieux et que d'habitude, pas que non. Et je vais vous parler d'avenir. On peut lancer ? Donc, ma proposition, c'est, alors je vous commence par le plan et ensuite je vous proposerai mon propos. Donc, une question tout à fait fondamentale qui se pose, c'est construire bas carbone. Pourquoi bas carbone ? Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Et je voudrais vous dire que c'est un sujet très complexe qui n'est certainement pas limité à la seule question des consommations énergétiques. Oh là, ça va trop vite. Ah. Ne touchez plus aux écrans là-bas. Donc, bas carbone suppose une réflexion hiérarchisée du plus impactant au moins impactant. Les consommations énergétiques d'un bâtiment devraient être normalement débattues après, je l'ai situé en quatrième position. À savoir, il faut déjà se poser la question de construire ou réhabiliter, avec quels matériaux, se poser la question du bioclimatisme, le bioclimatisme étant comment faire pour qu'un bâtiment ne consomme pas et soit cependant confortable par le simple fait de sa conception. On va décidément. Donc, dans mon propos, j'aborderai les deux premiers sujets, construire ou réhabiliter et quels matériaux. Et ensuite, je vous proposerai des illustrations en fin de présentation qui évoqueront le troisième sujet, le bioclimatisme. Et j'éviterai le sujet énergétique, non pas que je veuille l'éviter, mais c'est le seul et unique qui est débattu dans l'espace public. Donc, on pourra en parler. Mais justement, je voulais vous proposer un autre angle de vision. Ensuite, je vous proposerai un réseau de professionnels qui savent construire de manière économe et bas carbone, et je vous présenterai donc quelques illustrations. Donc, n'ayant pas l'éloquence de mon prédécesseur, je vais lire. En bon ingénieur que je suis, j'ai structuré mon propos et je vais lire. Les palais de justice en termes de construction ou d'exploitation et maintenance sont finalement des bâtiments comme les autres, c'est-à-dire aussi avec leurs particularités. Ainsi, au moment de décider soit de la construction, soit de la réhabilitation ou de la restructuration d'un palais de justice, d'une cité du droit, il faut envisager son impact environnemental de cet édifice dans un contexte désormais avéré de réchauffement climatique. Le gouvernement affirme s'y employer, notamment en proposant une feuille de route vers la neutralité carbone, la stratégie nationale bas carbone. Il s'agit à ce stade de s'aligner sur les exigences européennes. Alors, nous, professionnels de l'acte de construire, on approuve cette orientation politique de la stratégie bas carbone. Cependant, nous savons une chose, ce sujet est particulièrement complexe. Pourquoi ? Car il fait interagir de nombreuses données, souvent elles-mêmes issues de calculs savants. Ainsi, cette stratégie revendiquée par le gouvernement devient un sujet très technique, compliqué, dès lors qu'il faut la mettre en œuvre. Technique compliquée et souvent sujet à controverse, ce qui rend le sujet incompréhensible et inaudible pour beaucoup. Pourquoi des controverses ? Eh bien, parce que nous le verrons, une véritable stratégie bas carbone est un obstacle à la croissance telle qu'on l'entend habituellement, notamment dans nos métiers de la construction des bâtiments. Les industriels de notre secteur utilisent cette complexité du sujet pour retarder les échéances et ainsi éviter de tout changer dans leur production, de rendre obsolète leur industrie. Oui, parce que le bâtiment est souvent un assemblage d'industries.
En se focalisant sur les chiffres, les nombreuses données et paramètres qui devraient permettre de se faire une idée précise d'une trajectoire bas carbone, en fait, on noie le poisson. Cela brouille le message et retarde, repousse les bonnes questions et les échéances de mise en œuvre d'une véritable trajectoire bas carbone. Je vous donne un exemple très simple parmi 100 ou parmi 1000 d'ailleurs, et qui est accessible à tous et toutes pour comprendre la complexité du sujet. Si nous consultons le site du ministère de la Transition écologique ou d'une association très officielle qui s'appelle BBCA, BBCA voulant dire bâtiment bas carbone, l'impact carbone du bâtiment oscille entre 25 et 27% des dégagements de gaz à effet de serre, selon les sources, pour les secteurs de l'exploitation du bâtiment, c'est-à-dire au moment de son utilisation. Cependant, une part des émissions de l'industrie qui pèse dans le graphique officiel 13% de l'impact carbone ou du transport qui pèse pour 43%, et je vais vous noyer, vous allez voir, sont finalement au profit du bâtiment pour la partie qui se charge de la fabrication des matériaux de construction. On pourra tergiverser des heures pour savoir si le transport du camion de l'usine au chantier est compté dans le segment de l'industrie pour la fabrication du matériau, ou dans le segment des transports, ou dans le segment du logement. Bref, dès lors qu'on regarde tous ces chiffres, on commence à se perdre, et je sens que je commence à vous perdre. Ce que l'on peut dire très simplement, c'est que le secteur de la construction est très impactant, certainement toute action confondue, de l'ordre du tiers des impacts de notre économie globale. Un exemple de pourcentage significatif est l'impact carbone mondial de la fabrication du ciment. Selon les sources, dont une qui est le GIEC, l'impact de la fabrication du ciment pèse entre 7 et 10% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, ce qui est absolument phénoménal. Et c'est phénoménal, mais ce n'est pas exhaustif au regard du matériau le plus employé avec le ciment, qui est le béton. Mais le béton, il contient aussi de l'acier, de l'eau douce, du sable, du gravier, autant de matières premières qui sont en tension au niveau mondial et qui s'ajoutent à l'impact carbone du ciment. Et ce matériau est lui-même une composante partielle du bâtiment. On le voit, les paramètres de calcul de l'impact, même simplifiés à outrance, sont nombreux. Ainsi, face à cette complexité ou à la dictature des chiffres, s'engage un combat plus stratégique. Selon moi, il faut éviter l'écueil des données chiffrées trop figées qui perd le public et revenir au sens, aux directions possibles, si on souhaite effectivement diminuer drastiquement notre empreinte carbone afin d'inverser, ou plutôt de tenter d'inverser, la courbe du réchauffement climatique. Ce sens, il est le suivant, selon moi, dans notre secteur très impactant du bâtiment. Tout d'abord, il faut comprendre que pour inverser cette courbe, il faudrait dans notre secteur diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre dans les pays développés, qui sont, comme on le sait, de loin les plus émissifs. Pourquoi sommes-nous les plus émissifs? Car la somme de nos dégagements de gaz à effet de serre est la plus importante à cause des gaz à effet de serre émis sur le territoire pour satisfaire notre niveau de vie, mais aussi les dégagements externalisés grâce aux produits importés. Il est à ce titre plutôt injuste d'accuser la Chine d'être le plus gros émetteur, alors que la raison est qu'il fabrique pour nous. On l'appelle bien l'usine du monde. L'émetteur de gaz à effet de serre devrait être celui qui consomme, donc celui qui bénéficie d'un produit ou d'un service, et non pas strictement celui qui fabrique ce produit. C'est une belle hypocrisie que d'accuser un pays de polluer pour fabriquer et transporter les produits que nous consommons ici. Nous aurions d'ailleurs certainement intérêt à considérer les impacts ainsi, car cela nous inciterait davantage à relocaliser notre production, réindustrialiser au plus près des consommateurs citoyens. Ensuite, concernant notre secteur particulier de la construction, qui intéresse les palais de justice, en consultant à nouveau le site de l'association BBCA, on y lit que les dégagements de gaz à effet de serre sont plus importants lors de la construction que pendant la durée de vie estimée à 50 ans des bâtiments, de l'ordre de 60% pour la construction et 40% pour la consommation énergétique. Cette donnée est particulièrement importante car on circonscrit toujours la question de l'environnement à l'énergie de l'exploitation, qui ne pèse même pas la moitié de l'énergie nécessaire à la réalisation d'un bâtiment. Construire de façon habituelle dégage donc plus de gaz à effet de serre que 50 ans de son usage.
Il est donc temps de s'y intéresser. Eh bien, malgré cela, on continue à ne s'intéresser que très peu à l'impact carbone au moment de la construction. Qu'est-ce que cela signifie sans trop rentrer dans les chiffres ? Cela signifie que même si on parvient à diminuer d'un facteur 4, qui est le calcul issu du Grenelle de l'environnement, et de 2007, est collectivement admis comme un cap ambitieux, les consommations énergétiques d'un bâtiment sans s'intéresser à l'impact de sa construction, on intervient, comme je l'ai dit, seulement sur 40% des critères. Bref, je vous épargne le calcul que j'avais fait. On est en gros, même si nous devions, avec les normes environnementales d'aujourd'hui, construire de manière traditionnelle, mais avec les niveaux de consommation choisis, on ne diminue que de 15% nos gaz à effet de serre dans le bâtiment. Comment faire pour être plus efficace ? Eh bien, il faut s'attacher à l'impact carbone de la construction, qui donc représente la majorité de ces gaz à effet de serre, et donc le vôtre lors de la programmation des palais de justice. Pour ce faire, à nouveau, le gouvernement avance. Ce serait injuste de le nier. Mais face à l'urgence, il progresse, on pourrait le dire, à une allure de sénateur. À savoir que la nouvelle réglementation qui nous concerne ne s'appelle plus RT, pour ceux qui la connaissent, qui voulait dire anciennement réglementation thermique, comme la dernière qui était la RT 2012, mais elle s'appelle désormais RE, comme réglementation environnementale, et elle est millésimée en 2020. On l'appelle dans nos métiers la RE 2020 ou la RE 2020. Ce remplacement du T par le E est le passage d'une préoccupation thermique à une préoccupation environnementale. Il s'agit concrètement de passer d'un unique critère à respecter, anciennement les consommations, à deux critères. La thermique demeure avec des niveaux de consommation abaissés de l'ordre de 40%, avec de multiples critères et coefficients qui complexifient terriblement le calcul et permettent à certains spécialistes comme moi de prospérer, entre parenthèses. Et donc un critère est désormais ajouté, mais qui concerne l'empreinte carbone. C'est donc une excellente nouvelle. Mais il y a un mais, ou plutôt il y a deux mais. Premièrement, les niveaux de diminution de cette empreinte carbone, calculés elle aussi comme l'énergie en kilogrammes de CO2 émis dans l'atmosphère par les matériaux de construction, sont très peu ambitieux, voire extrêmement peu ambitieux. Les groupes de travail affirment qu'il s'agit déjà d'accoutumer les opérateurs à cette nouvelle donnée avant de leur fixer des critères trop ambitieux. Il faut qu'ils s'habituent, les pauvres. En somme, à ce stade, on incite à réfléchir à l'impact carbone de la construction, c'est déjà ça, mais on ne fixe pas d'objectifs qui pourraient entraver la marche forcée du bâtiment vers une consolidation de son industrie, voire une croissance de celle-ci. Deuxièmement, cette réglementation présentée comme ambitieuse s'applique doucement, tout doucement. Aujourd'hui, seulement pour les logements neufs. Demain, pour d'autres types de bâtiments, mais lesquels, pour l'instant, ça n'est pas encore totalement réglé. Ça avance petit à petit. Eh bien, que faire ? 3 minutes. Ben oui, j'avais prévu. Ah oui, ça va être dur. Alors, synthèse. Une autre façon de bâtir. Alors, il faut commencer par penser à la réhabilitation. Quels sont les grands enjeux ? Un exemple. J'ai fait des calculs, non pas sur des palais de justice, je n'ai pas suffisamment de données, mais sur un immeuble de logement collectif de 2 500 m². Qu'est-ce que nous avons constaté ? Nous avons constaté que, en construisant, alors là, je vais vraiment carrément au bout, que réhabiliter, plutôt que de construire et réhabiliter avec des matériaux naturels ou biosourcés, on dégage environ une année, l'équivalent d'une année de consommation de ce bâtiment. En réhabilitant avec des matériaux plus standards, avec du béton et de l'acier par exemple, on consomme l'impact carbone de la réhabilitation de cette manière, c'est environ 4 années de consommation énergétique. Construire en neuf, en bois, par exemple, en bois, en matériaux issus de, je vous apprends peut-être un nom pour certains, de ce qu'on appelle le nouveau BTP, qui veut dire bois terre paille, eh bien, on dégage environ l'équivalent de 10 ans de gaz à effet de serre, de gaz à effet de serre comparable à, donc 10 ans, à comparer à 10 ans de sa consommation. Et construire en neuf, en matériaux plus standards, béton, acier, verre notamment,
c'est à peu près, et encore quand ça n'est pas ostentatoire, 40 ans de consommation énergétique finale. Et cet impact est encore plus important lorsque le bâtiment est conçu de façon inadaptée au regard de son usage attendu. Je ne parlerai pas du verre, je vais parler de une minute du verre. Le matériau verre est un matériau magique pour beaucoup de personnes et pour quelques bonnes raisons. Il est très solide, il est totalement hermétique, il laisse passer la lumière, parfois la vision, mais surtout il transfère la chaleur. Son impact principal vient de sa cuisson à 1500 degrés. Mais autre chose, une de ses qualités est l'effet de serre. Il permet à la chaleur, à l'énergie de le traverser, puis l'empêche de s'échapper. Ainsi, un bâtiment couvert de verre va piéger la chaleur, réchauffer les espaces, les salles en contact avec cette paroi, mais aussi les matériaux structurels derrière ce matériau, réchauffant ainsi de manière durable la structure d'un bâtiment. Eh bien, que fait-on ? On climatise. Donc, sans viser personne, je serais très curieux de connaître les consommations énergétiques pour le refroidissement d'un immeuble comme le TGI de Paris. Personnellement, il m'intrigue vraiment beaucoup et on est très très loin de la trajectoire bas carbone avec ce type de bâtiment. On est vraiment très 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 loin. Puisqu'il ne me reste plus qu'une minute, je vous propose juste, j'arrête là mon propos, et je vous propose deux, trois petites choses. D'abord, vous indiquez qu'il existe des réseaux organisés sur la question du bas carbone, des réseaux de professionnels. Il y en a quatre qui sont particulièrement actifs. Il y a le mouvement de la frugalité heureuse et créative qui regroupe les professionnels engagés dans la cause. Il y a une association ICEB qui est quasiment inconnue du grand public, mais qui est un centre de recherche qui réalise de nombreuses publications et de débats sur ces sujets. Il y a une autre association, Ecopolis, qui est un centre de ressources qui développe des labels particulièrement malins, où il y a un démonstrateur qui s'appelle le HOFDUDD, qui est un démonstrateur de la construction durable. J'ai mis ici, et je les passerai évidemment, les liens pour les sites. Et pour finir, quelques exemples de bâtiments principalement scolaires et culturels, puisqu'il n'y en a pas des palais de justice qui sont faits de manière environnementale, il n'y en a pas, ça n'existe pas. On peut s'inspirer de bâtiments qui reçoivent du public. Ils fonctionnent. Donc ici, on est à Montreuil, on est en bois et en paille. Ici, on a une réhabilitation à Calais, le Chanel, une transformation d'abattoir en centre culturel national. Ici, la ville de Rosny-sous-Bois, qui a travaillé les sujets de l'empreinte carbone de la construction, ça marche plus. Bon, ben voilà, ben c'est fini. Et on finit, c'est comme ça. Et on finit par juste un point de vue bioclimatique, c'est protéger les façades du soleil. C'est de très, très loin la meilleure solution avant la climatisation. Désolé d'avoir été si long, mais je vous avais prévenu, hein, les ingénieurs, c'est comme ça. Merci beaucoup. La suite, à vous. Merci. C'est effectivement un exercice difficile, d'autant plus un exercice de synthèse qu'il va falloir faire, évidemment. Mais ce que je trouve extrêmement intéressant dans tout ce qui vient d'être dit, c'est qu'on parle à la fois de la même chose et à la fois de manière tellement différente qu'on se dit, mais comment est-ce qu'on fait pour faire un palais de justice, pour faire une cité judiciaire, pour faire quelque chose qui, de surcroît, doit être identique partout, alors que les contextes sont différents partout, les gens sont différents partout. Et en fait, on est à la fois dans une histoire de l'architecture, mais on est surtout dans une histoire de vie et dans un rapport humain. Je dis souvent un bâtiment, et peut-être qu'on peut mettre le diaporama au passage. Je dis souvent, et je veux bien la zapette aussi, merci beaucoup. Je dis souvent qu'un bâtiment ne peut rien. Un bâtiment, c'est inerte. Un bâtiment, c'est une coque vide. Et en fait, une équipe bien motivée dans un bâtiment, même s'il y a des serpillères, même s'il fuit, même s'il fait chaud, etc., ben il se passera quelque chose. Un bâtiment nickel, sans personne ou sans bonne volonté, il ne se passera rien. Donc en fait, ce qui se joue, ce n'est pas tant la question de l'architecture, c'est vraiment la question de l'usage. C'est la question de la vie derrière. Et en fait, quand on fait le métier tel que le mien, donc la programmation, d'autres le font également,
il s'agit de border, de travailler dans toutes les directions pour arriver à avoir cette approche complexe et pour que finalement les uns et les autres puissent se retrouver dans un bâtiment, dans un usage avec des préoccupations complètement différentes. Quelqu'un qui est à la sécurité n'aura pas du tout les mêmes préoccupations qu'un avocat ou que quelqu'un qui même sortira les poubelles le soir ou fera les vitres pour rester dans la thématique verrière. Et donc, il faut qu'on arrive à être ouvert, il faut arriver à discuter, il faut arriver à fixer des objectifs. Alors, fixer des objectifs, c'est vraiment un des endroits les plus importants. Souvent, on se trompe et on fixe des moyens, on donne des chiffres, on donne des valeurs, on l'a vu sur la question environnementale, mais on ne fixe pas des objectifs. J'ai souvent cette anecdote en tête, un ami en programmation m'avait dit « Oh là là, là, je crois que j'ai fait de la mauvaise programmation ». C'était pour un hôpital, il avait dit, il faut deux entrées. Il y avait un service pour les enfants, un service, peu importe, on va dire, grand brûlé. Et il faut deux entrées. En fait, ce qui était important, c'était qu'il y ait une séparation des flux à un endroit. L'architecte qui a gagné a fait une entrée, a fait une séparation des flux, ça marchait vraiment bien. Et sa question des deux entrées, c'était une fausse bonne réponse. Et ça, c'est vraiment très important quand on fait de la programmation, de bien se poser la question de où est-ce que l'on met les choses et comment on déconstruit finalement les choses pour être sûr que la réponse, l'exemple a été pris sur la transparence de la justice, la métaphore du verre n'apporte pas la réponse de la transparence de la justice. On a bien compris, c'était ailleurs que ça se jouait. Donc là-dessus, il faut vraiment construire les choses, définir les usages, définir les besoins. Il y a des besoins objectifs, il y en a d'autres qui sont simplement des besoins d'usage. De dire travailler à plusieurs dans un bureau, est-ce que c'est 11 mètres carrés par personne qui est nécessaire ou est-ce que c'est un endroit qui est confortable, etc. Un bureau triangle de 11 mètres carrés par rapport à un bureau de 10 avec une fenêtre, personnellement, je préfère la fenêtre et un peu moins de mètres carrés. Donc là-dessus, cette question du besoin, des usages est vraiment importante et c'est pour ça qu'on est dans ces cadres à jongler entre un cadre opérationnel et finalement à guider la conception dans tous ces univers et tous ces besoins. Mais un programme, ça sert aussi, et là c'est un point qui est extrêmement important, ça sert à arbitrer. Alors ça sert à arbitrer quand on est en conflit avec un architecte, on dit, non mais c'était au programme quand même. Bon, une fois qu'on dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va au procès et on perd 3 ans, 5 ans, 10 ans, etc. Ou est-ce qu'au contraire, on essaye de co-construire? Je pense que la discussion est la meilleure des solutions. L'entente, le déplacement, la souplesse. Tout à l'heure, il a été dit, c'était pas le meilleur compromis possible, mais c'était la meilleure balance possible. La programmation, c'est ça. C'est on est dans un exercice de maïeutique, dans un exercice de compréhension. Ceux qui habitent les lieux savent de quoi ils parlent. Nous, nous sommes là finalement pour essayer de fédérer et d'articuler différents regards. Et ça, c'est important, ce point fédéré, puisqu'il renvoie directement aux personnes qui vont habiter et construire ce lieu. C'est peut-être par là qu'il faut pointer. Non, c'est pas là. Voilà, c'est là. Bon, ben, suivant. C'est en haut. Ah oui, effectivement, c'est en haut. Mais une démarche de programmation, ça commence aussi avec des diagnostics. Et là, la complexité qu'on a dans le cadre qui nous occupe aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire un diagnostic avec un programme générique. Donc, on va y revenir, mais de définir un standard, il a été très bien défini, et même au début, vous avez vu, hein, j'ai repris ces colonnades en se disant, ben, qu'est-ce qu'un palais de justice? C'est quoi? Pictogramme, palais de justice, c'est effectivement les 4 colonnes qui sortent, ça a été dit, c'est pas si vieux, mais aujourd'hui, finalement, quand on cherche des palais de justice avec des colonnes, on n'en trouve pas beaucoup. Et je vous assure, j'ai passé un peu de temps sur Internet pour essayer de les chercher, n'ayant pas la mémoire et la connaissance de mes prédécesseurs. Mais en tout cas, un diagnostic, c'est des données stratégiques, c'est des données d'usage, c'est des données économiques, techniques, paysagères, environnementales, etc., etc. D'usage, je l'ai même mis 2 fois tellement que ça m'habite, fonctionnel, etc., etc. Réglementaire, esthétique. Donc, à partir de là, selon notre regard, on est tenter de pencher d'un côté ou de l'autre. J'essaie de... parce que ces données, qui sont des données statiques, il faut les mettre au regard d'enjeux. Et aujourd'hui, on le sait, et les enjeux de la justice ont été rappelés,
Il y a des questions de symbole, il y a des questions de dynamique, il y a des questions de volonté, il y a des questions d'efficacité. Et là, on commence à être dans un système. On n'est pas simplement en train de compulser dans un tableau Excel. On est vraiment en train de parler de système. Et finalement, c'est ça qui fait diagnostic. Et c'est tellement ça qui fait diagnostic qu'on est en train de travailler en anticipant aussi. On anticipe quand on fait de la programmation et on a une boucle qui est une boucle construction, évaluation en permanence. Et ça, c'est quelque chose qui est important puisqu'il s'agit à la fois d'identifier des enjeux, à la fois d'anticiper des objectifs, anticiper les moyens qui seront nécessaires pour atteindre des objectifs, tout ça dans un but d'avoir une formalisation architecturale qui doit répondre à un ensemble d'usages. Et donc, en fait, on travaille, si tout se passe bien, tous ceux qui font du bâtiment le savent, un bâtiment qui va vite, entre le temps de la programmation et le temps de la livraison, c'est 5-6 ans. On arrive rarement à aller beaucoup plus vite, avec toutes les procédures, etc. Donc, en fait, on est en train de travailler en anticipant à 5-6 ans, et à chaque fois, il y a quelque chose que j'appelle la transcendance, où quand on est programmiste, on transcende finalement l'expression d'un besoin, l'expression d'un quotidien. Et moi, c'est souvent quand je travaille avec les gens, je leur dis, mais racontez-moi ce que vous faites. Je n'ai pas besoin que vous me disiez vos besoins. Je veux juste savoir ce que vous faites au quotidien. Qu'est-ce que vous vivez? Comment vous le vivez? On le voit bien en justice, il y a effectivement des grandes joies, des grandes peines. Il y a des choses qui sont extrêmement douloureuses et on peut se dire, on se retrouve, on sort, on est à la vue de tous et on se dit, là, est-ce qu'on n'a pas envie d'être un peu préservé, d'être dans un petit coin, etc. Et on se dit, là, la sécurité, si on vous met un petit coin, on ne va pas voir, peut-être que vous allez mettre une bombe derrière un poteau, si on a réussi à passer le Vigipirate. Mais tout ça, ça fait partie du quotidien et de la réalité concrète de la vie. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut qu'on prenne en compte quand on fait de la programmation, et c'est ce qu'il faut qu'on explique surtout aux architectes. Les architectes, il y a tellement de normes, ils n'ont pas besoin qu'on rajoute des chiffres. Les chiffres, ils sont déjà réglementaires dans le bâtiment, partout. Donc, en gros, rappeler à quelqu'un ou à ses bureaux d'études des valeurs, ça fait des garde-fous, ça permet effectivement, en cas de litige, de dire c'était écrit, vu que le programme est un document réglementaire, ça peut jouer son rôle. Mais en tout cas, ce n'est pas de ça dont a besoin l'architecte. Et souvent, on dit à l'architecte, soyez force de proposition. On l'a rappelé, ce n'est pas forcément être force de proposition dans l'interprétation de la justice ou dans son propre rapport, c'est force de proposition dans une réponse formalisée, dans un cadre formalisé, dans un cadre discuté collectivement par tous les utilisateurs, par tous les usagers d'un tribunal qu'il faut amener. Et là-dessus, on le voit, c'est extrêmement codé. Un programme, ça se fait avec une phase exploratoire, une phase de consolidation, une phase de mise en œuvre. Et au début, on travaille sans architecte, on travaille l'usage et la vie des gens au quotidien. C'est de ça dont il s'agit. Et à chaque phase, on partage, on arbitre et on vérifie si tout le monde est d'accord. Et c'est comme ça qu'on fait un bon programme, c'est comme ça qu'on va dans une direction qui est une direction qui fait projet. Et c'est là où généralement tout le monde est content à la fin, ça a été dit tout à l'heure, plus on prend de temps pour discuter, en étant souple, ça ne veut pas dire que chacun n'est pas à sa place. L'architecte a le plein pouvoir sur son plan. Il n'empêche qu'il peut être à l'écoute. Un programmiste, pareil, a un certain pouvoir, entre guillemets, vu qu'il est aussi un intermédiaire entre l'un et l'autre. Donc, il traduit finalement les besoins. Mais il faut partager et arbitrer. Donc, là-dessus, c'est des choses, je vais pas redétailler, mais c'est vraiment important de se dire que c'est pas une fois le programme fini que le projet est emballé, c'est pesé. C'est à chaque étape qu'il faut le remettre en question. À chaque étape, il faut être vigilant, y compris durant la question de la construction. Alors, la construction, il y a des défaillances techniques qui sont souvent assez visibles une fois le bâtiment ouvert, mais les défaillances fonctionnelles, il y en a énormément qui se voient sur plan. Et ça, j'encourage les uns et les autres à regarder les plans, à discuter les plans, à se faire accompagner par des personnes qui savent lire les plans pour arriver à discuter est-ce que oui ou non, la vie qu'on imagine dans le bâtiment va pouvoir advenir. On parlait de lumière et de contre-jour, il y a des choses extrêmement fortes à ces endroits-là et on se dit, est-ce que c'est un effet recherché ou est-ce que c'est un effet subi? Et ça, c'est important de donner du sens à l'architecture et, si possible, autant que faire se peut, que le sens aille dans la direction souhaitée.
Donc finalement, et c'est là la question, c'est est-ce qu'on fait un programme ou est-ce qu'on fait un projet ? Faire un programme, finalement, avec une bonne calculette, si on a des ratios, tout ça, mis bout à bout, on y arrive assez facilement. Il y en a même qui disent l'intelligence artificielle aura remplacé tous les programmistes. En revanche, elle n'aura pas remplacé le dialogue. Et le dialogue avec ceux qui vont y habiter. Et c'est vrai que quand on voit la diversité des utilisateurs, que ce soit en accueil, que ce soit en conciliation, que ce soit en back-office, en fonction support, en documentation, que sais-je encore, toutes les parties même de stationnement, de zones sécurisées, etc., on se dit, il y a vraiment du monde à consulter pour faire des programmes, pas seulement pour fixer une base, mais aussi pour construire chaque projet sur chaque site, puisque le contexte est différent. Et le contexte, c'est pas simplement un contexte architectural. Là aussi, il faut ouvrir. C'est un contexte aussi qui peut être un contexte urbain. C'est souvent indiqué, oui, pensez bien à la question de parvis, à la transition. On s'est dit, d'accord, mais après, la question, c'est où est-ce que je mange ? La question, c'est comment je viens ? Des chiffres ont été rappelés tout à l'heure sur la difficulté d'accès au palais de justice. Donc, tout ça, ça fait partie du contexte et des éléments qui viennent influencer et définir le programme. Ce n'est pas simplement des valeurs, c'est vraiment quelque chose qui est structurel dans une logique de programme. Évidemment, les fonctions, alors il y en a plein qui sont codifiées, on peut les standardiser d'une certaine manière, mais peut-être, et peut-être doit-on même inventer des choses différentes. La question environnementale, ce n'est pas simplement une coquetterie avec des valeurs en plus, c'est une nouvelle façon de concevoir et un nouveau rapport au monde. Et en fait, et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, même pour moi, en tant que praticien, ça fait presque 20 ans que je fais ce métier, d'arriver à se dire, la donnée d'entrée, c'est la question du carbone. Et à partir de là, je vous assure qu'on est obligé de penser absolument tout différemment et de s'accommoder de choses qu'on aurait refusées si on n'avait pas été obligé de se poser cette question-là. Et ça change tout, ça change vraiment tout. Si on ne tente pas cette donnée d'entrée, ou si on la considère comme une donnée technique, comme une donnée constructive, eh ben, évidemment, on va droit dans le mur. Mais ce qui est important aussi, c'est cette dynamique. On parle de flux, on parle beaucoup de flux dans les programmes de palais de justice ou de cité judiciaire. Mais en fait, qu'est-ce qu'on construit ? Et ça a été dit, la question de la symbolique est extrêmement importante. On parle de palais de justice, on parle d'éléments de patrimoine. Patrimoine d'hier, de demain. Alors certains disent, il est moche le tien, le mien il est mieux, il est tout neuf, etc. On parle d'équipement structurant. Qu'est-ce que ça veut dire un équipement structurant ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un objet architectural symbolique ? Donc là, c'est pareil. Selon ce dont on parle, la réponse sera pas la même chose. Et finalement, c'est cette question du programme générique en se disant, comment on arrive à résoudre la question d'un programme générique. Avec, là, on voit quelques exemples de salles des pas perdus sur des bâtiments qui sont plus ou moins récents. Et on se dit, qu'est-ce que l'on met dans un programme générique ? Est-ce qu'on décrit tout ? Est-ce que l'on donne des valeurs ? Est-ce que ces valeurs sont des valeurs à atteindre, coûte que coûte ? Est-ce que ce sont des guides ? Est-ce que ce sont finalement des fourchettes ? En se disant, ça, c'est à peu près pour fonctionner. Mais finalement, ce qui est le plus important, à mon avis, c'est arriver à donner du sens au programme pour que l'architecte lui-même puisse le transcender et le dépasser. Et finalement, on voit que c'est important, d'autant plus important que ça joue au niveau du pré-programme, ça joue même au niveau de la définition des enjeux. Donc, un programme générique, ce n'est pas simplement quelque chose qui est un guide, c'est quelque chose qui structure d'un bout à l'autre toute la conception qui est soumise. Dans les écoles, par exemple, il y a pareil des programmes génériques. On commence à travailler les programmes spécifiques et en fait, on a tellement de choses à résoudre que on casse toute la créativité programmatique et toutes les possibilités d'inventer autre chose du fait de la règle extrêmement forte. Alors, on peut comprendre le pourquoi de la règle, mais c'est justement là, c'est plutôt une question que je pose sur comment arriver à jongler entre ce programme générique qui finalement donne la réponse parce qu'il donne quasiment toutes les clés d'écriture d'un programme détaillé, sans avoir fait tout ce travail préalable de diagnostic, de territoire, de spécificité, etc. etc. Et finalement, il me reste deux petites slides, si elles veulent bien passer.
0. Non, non, en haut, c'est le pointeur. Elles ne veulent pas. Mais c'est dommage, elles étaient peut-être assez bien en conclusion. Je pense qu'il faudra changer les piles. Peut-être qu'il y a des restrictions de budget, mais... Un budget pile. Ah, voilà. Et en fait, c'est vraiment cette question de qu'est-ce que l'on met comme données d'entrée? Est-ce que l'on met les objectifs environnementaux? On sait que le programme générique sera de toute façon extrêmement fort et pesera très fort sur le programme spécifique. Est-ce que l'on met le diagnostic pour construire finalement ce programme spécifique et après on le recroise? Là, j'avoue ne pas avoir la réponse. Et je pense que des gens sont bien mieux placés que moi pour répondre à ça. Mais c'est vraiment ça qui est important. Et c'est important aussi de se dire qu'est-ce que l'on met dans un programme générique? Est-ce que l'on met des objectifs? Est-ce que l'on met des moyens? Et là-dessus, je pense que c'est extrêmement important que vous tous, qui êtes bien plus dans cet univers que moi, puissiez définir une stratégie, des objectifs à atteindre et finalement la vie qui va avec ces lieux, puisque c'est de ça dont on parle quand on parle d'architecture. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, pour vous dire qu'actuellement, il y a en moyenne 130, 140 confrères, magistrats, greffiers qui sont devant leur écran et qui participent à nos travaux, qui nous interrogent. Pour vous dire aussi que le titre « Entre rituel et management » est tiré d'un livre de Jean Danet, qui interviendra à la fin. Je viens de vérifier, il est toujours… Et ce livre aborde ces questions, il a été édité en 2010 et on peut le retrouver. Maintenant, on va passer à la deuxième. Alors, est-ce que… Moi, je n'ai pas de questions sur le chat. Est-ce que dans la salle, vous souhaitez intervenir, réagir? Monsieur Vendrange, vous aviez peut-être envie de dire un petit mot encore? Non, non, plutôt répondre à des questions, puis la table ronde suivante, mais peut-être le mot qu'on n'a pas assez utilisé, c'est le mot humain. Peut-être que Olivia vous en parlerait, parce que je sais que vous y êtes comme moi tout autant attaché, mais des palais de justice, où un palais de justice, c'est un lieu où on souffre, c'est un lieu de théâtre, c'est un lieu d'éloquence, c'est un lieu de pleurs, etc. Et donc, la sécurité, tout ça, le carbone, c'est bien, mais il faut tenir compte de l'humain. C'est un lieu où l'humain doit être central. Et puis, il faut arrêter la justice gadget avec... Comme à Argentan, on fait une table qui monte, elle est en panne. À Melun, on fait des volets automatiques avec le soleil, ça se pas. Plus de justice gadget. Faites-nous des palais où l'humain est au centre. Merci beaucoup.